Voilà les amis, je vais vous montrer comment déboucher un lave-vaisselle qui se bouge dû au calcaire. Donc simplement, vous dévissez l'hélice ici, bêtement, vous tournez, hop, dévissez, voilà. En fait, dans ce tuyau, il y a souvent des dépôts de calcaire qui se mettent et ça empêche le bon fonctionnement. Donc voilà, là, on voit bien, c'est dévissé. Je prends une bouilloire dans laquelle j'ai fait chauffer du vinaigre, hop, voilà, on voit bien, il a ébullition. Attention de ne pas se brûler. Voilà, je rentre avec ma bouilloire. Et je verse dans le tuyau. Pas grave si on est à côté, c'est pas grave. Voilà, j'en mets le plus possible dans le tuyau. Hop, faut pas avoir peur, on en met. Voilà. C'est un remède miracle. Et il n'y a plus qu'à faire tourner la machine après. Voilà, j'en ai assez mis. Voilà. Maintenant, je viens simplement reclipser l'hélice. Faut que j'y arrive parce que c'est pas évident de filmer en même temps. Voilà, elle est clipsée. Et voilà, il n'y a plus qu'à faire tourner la machine avec. Vous pouvez mettre toujours vos pastilles habituelles, etc. Vous allez voir. Et ça va également vous faire un lavage. Mais quand je dis brillant, c'est plus brillant que ça, tu meurs. Voilà, à plus les gars.